J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un unboxing en collaboration avec la boutique GBFKE. Donc, j'ai pas mal de choses à vous montrer dedans. Donc, on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti. Hop, je prends le premier DP au hasard. Je ne sais pas lequel que c'est. Alors, c'est parti. Ah oui, regardez-moi cette jolie et gentille sorcière. Voilà, c'est une gentille sorcière, ça. Franchement, je l'ai trouvée très, très sympa. Donc, 24 couleurs, c'est une 40 par 40 cm. C'est aussi pour ça que je l'ai prise, parce qu'on sait toujours que c'est bord inclus. Hein. Quand on reprend, on sera sur du 35. Ouais, c'est ça. Sur du 35 par 35. Donc ça, faites bien attention, c'est toujours bord inclus sur ces boutiques-là. Donc c'est en diamant rond et on va être dans des tons de mauve violet, comme ça, hop. Un peu de rose quand même, hein. Bon, rose mauve. Et c'est en sachet zip, ça c'est cool. On a toujours le petit kit de base avec un plateau, un stylet et de la cire. Voilà, alors sur les symboles là. Au niveau des symboles, bon écoutez, on est plutôt bien. Oh là, je vous montre. On n'a pas le cercle autour du symbole, donc ça c'est bien aussi. J'ai la toile par contre ici, je ne sais pas si vous allez voir, qui s'effiloche. C'est le problème de ces toiles. Regardez, regardez, tac, ça s'effiloche, donc ça c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, à la fin... Sur ce genre de toile, moi, je coupe le bord. Et donc, on va regarder quand même comment ça colle. Ça colle très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, la toile, vous voyez, elle se positionne bien quand même. Bon, après, il faut la mettre à plat quand même, hein, parce qu'on a les plis. Mais franchement, regardez, elle s'est bien aplatie déjà du premier coup. Elle est jolie, hein, cette petite sorcière. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Ça va être très dur. C'est pas grave, on va y arriver. Donc voilà. Alors, et cette sorcière sur le site que je regarde dans mon classeur quand même, que je vous dise le prix, elle était affichée au prix de 6,89 €. Voilà. Hop, voilà pour la première. Qui est très joli. On a la petite image aussi là-haut. Hop. Et en plus, emballé. Hop. Dans un sachet à part. On y va. Deuxième toile. Ah oui, je l'ai trouvée trop mignonne celle-ci. Hop. Très printanière en plus. Allez, je vous montre. Regardez ça. Elle est trop rigolote. Le fameux bulldog avec ses jolies fleurs autour de sa tête. Un diamant ici qui s'est fait la malle. Hop. Franchement, elle est trop rigolote. Bon, là, on passe sur une taille en dessous. C'est une 30 par 30. Mais franchement, avoir diamanté ce que ça donne. Mais pourtant, je ne suis pas non plus très chien. Mais celle-ci, je l'ai trouvée très rigolote. Donc on a bien, on a toujours les deux tableaux, hein, un en haut, un en bas. On a 22 couleurs pour celle-ci. Ah non, c'est une 35 par 35, je dis des bêtises. 35 par 35, donc elle doit bien faire 30 par 30. On va regarder au pif comme ça, enfin pas au pif, mais... Ah non, un peu moins quand même, elle fait 28,5. 28,5 par 28,5, voilà. Bon, elle est sympa. Elle est sympa. Et là, on va passer sur des sachets ribambelles. Et j'ai plein de diamants qui se sont fait la malle. Regardez. Donc, j'espère que... il n'y a pas un sachet qui s'est... Et en plus, c'est une couleur. Ah, si, c'est une couleur que j'ai. J'ose pas l'ouvrir. J'ose pas ouvrir. Je verrai ça. Ah, si, c'est une couleur que j'ai ici. Bon, allez. On tente, on ouvre. Bon, je vous le dis, il y a un petit kit
comme ça, basique, comme d'hab. Allez, on essaye de regarder s'il y a catastrophe ou pas. Bien sûr, tous les diamants vont se barrer. Voilà, c'est catastrophique, là. Oh, j'espère que... Regardez, tout est dans le sac. J'ai peur. Puis en plus, ça reste collé là où il y a la colle. Regardez. Bon, alors, je regarde. Ah, c'est celui-là. C'est ce sachet-là. Regardez. Voilà, le sachet, il a été mal découpé. Et tous les diamants se sont sauvés. GBFKE, attention. Bon, bien sûr, c'est les usines. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc là, pour le coup, je vais essayer de récupérer un max de diamants. Parce que c'est une couleur qui ne me parle pas. Je ne sais pas si j'en ai. Donc, je vais vous mettre en pause et essayer de récupérer un petit peu les dégâts, hein, j'ai envie de dire, parce que j'en ai partout. Bon, on se retrouve tout de suite. Bon, voilà, après avoir récupéré les diamants qui s'étaient sauvés, j'ai tout mis dans un sachet zip et on verra bien le jour, au moment de la faire en fait, hein, s'il en manque ou pas. Bon, normalement, je pense que j'ai pas mal récupéré. Donc, ça devrait aller. Puis, comme en général, ils en mettent toujours un peu plus. Et bien, sinon, au pire, on verra. On mettra une couleur similaire. Ou peut-être que j'en ai dans mon stock. Voilà. Et donc, je ne sais plus si j'avais dit le prix, du coup. Cette toile, non, j'ai pas dû dire le prix parce que je ne suis pas sur la feuille. Alors, je cherche. Comme d'hab, tout est prêt. 4,89€. Voilà. 35 par 35, bon inclus. Hop. Bon, je fais ça après. Allez, on se... Est-ce que j'ai encore un DP? Oui, tant qu'on est dans le DP. On continue. Hop. 30 par 30 cette fois-ci. Nouvelle collection. Plutôt sympathique, je trouve. Après, ça dépend toujours des goûts et des couleurs, bien sûr. Bon, là, dommage. Je regrette qu'elle soit aussi petite. Regardez, ah voilà, elle est vachement petite. Hein. Ouh, ça fait bizarre. C'est la collection, vous savez, dans les tons comme ça, foncés. Et vous avez un animal qui ressort. Mais là, bon, forcément, j'ai pris un lion. Hein. Moi, je suis team félin. Mais elle est petite. Hein. 30 par 30, bord inclus, tout de suite, là, ça fait petit. Parce que l'image... Pouh, on va être sur du... Ouais, c'est petit, je sais même pas si elle fait 30 ou quoi quand même. Ouais, elle fait même pas 30, elle fait 29,5 la toile. Et là, on est sur du 24,5 l'image. Faut la faire plus grande, 24,5, ouais. Donc bon, tant pis, j'ai pris, je voulais tenter. La toile est un peu plus fine que les autres. Bon, on a 24 couleurs. Voilà, sans surprise, ça va être des tons un peu plus foncés. On a du violet, du bleu, et là c'est du sachet zip aussi, mais les beaux sachets, sachet zip, non, sachet ribambelle, mais un peu plus qualitatif que ceux qu'on a vu juste avant, voilà. Voilà, diamant rond toujours, donc pas de surprise, hein, du violet, du bleu, je sais pas si vous voyez, violet, bleu, un peu de rose quand même. Couleur saumon, bon, on verra bien, hein, mais clairement là, bon, au niveau des symboles, vous voyez, c'est un peu moins lisible, je trouve. Regardez, bon, après, avec une tablette, ça se fait, il n'y a pas de souci, mais je trouve que, ouais, sans tablette, ce serait un peu plus difficile. Bon, après, peut-être pas là, dans les tons, enfin, dans les couleurs claires, ça va, mais je sais pas, ici. Bon, après, ça se lit, hein, ça se lit bien, mais bon. Voilà. Donc, ce lion, vous avez plusieurs sortes d'animaux dans ce style. Ça colle toujours bien. À chaque fois, je recrée des petites rivières, là. Enfin, c'est pas des rivières, mais
des bulles d'air là, sous le plastique. Bon, c'est pas grave. Donc cette toile là, sur GBFKE, à quel prix elle était affichée? 3,99 €. Et on a toujours le petit kit de base. Voilà. Alors, je vais la replier comme ça. Parce que moi, j'aime bien voir les images quand elles sont repliées. Comme ça, pour choisir, hein, c'est plus facile. Parce que, alors, clairement, je les laisse replier comme ça dans mon armoire. Parce que, à plat, dans ma pochette à dessin, c'est vraiment celles qui sont en col double face. Ou alors celles qui étaient pliées, mais très, très, très abîmées. Donc, pour les garder à plat un petit moment. Mais je fais ça après aussi. Donc celle-ci, en général, quand je veux les faire, je les déplie quelques jours avant. Bon, maintenant, on va passer. Je crois que j'ai aussi les petits accessoires. Hop. Je vais les sortir. Et hop, voilà. Alors, j'ai repris des petites pinces comme ça. Hein, ça sert pour tout. Ça sert pour le point de croix, pour le DP. Pour le colo, pour plein de choses, vous savez, pour tenir les pages aussi dans le colo. Tenir les pages comme ça quand vous faites l'aquarelle ou de la peinture pour pas que ça se referme. Enfin bref. Donc là, c'est un kit où il n'y en a que 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 pinces et sur GBFKE, c'est 1,29 € pour les 8 pinces comme ça. Voilà, ça c'est toujours bien d'en avoir. Alors j'en ai partout, comme ça au moins je sais que peu importe où je suis installée, j'en ai à proximité. Voilà. Ensuite j'ai repris un stylo, vous savez, avec la pointe en céramique, parce que mine de rien, ça s'use pas mal. Moi, je m'en sers beaucoup sur les toiles où le papier transparent est très épais. Et ça marche super bien. Ça transperce pas le DP. Donc, c'est juste cette petite pointe-là. Mais bon, tout le monde connaît hein, ce stylo. Ça remplace le cutter. Et moi, j'aime bien. Et donc, j'aime bien en avoir un d'avance parce que, mine de rien, cette petite pointe, elle s'abîme à force. Voilà, donc j'en ai repris un. Bon, vous avez de la couleur bleu, rose, blanc. Enfin, voilà, moi j'ai pris un bleu pour changer. Parce que j'avais toujours pris des roses. Et donc ça, c'est 2,59 €. Oups, je vous fais bouger. Et cette petite boîte, qu'est-ce que c'est cette petite boîte? Eh bien, en fait, c'est des petites languettes. Double face, voilà. Alors, détachable. La détacher comme ça. Et alors je sais pas du tout ce que ça vaut vraiment. Déjà je voyais pas ça aussi fin et aussi aussi rigide. C'est vraiment très rigide. Donc je sais pas, je pense pas que ce sera pour accrocher des DP au mur ou quoi que ce soit hein. Mais pourquoi pas, j'essaye de décoller. Voilà, vous avez ouais, ça colle bien des deux côtés. Je sais pas, franchement, je me dis ça peut toujours servir. Par exemple, je sais que mon fils veut accrocher un poster dans sa chambre. Donc plutôt que d'utiliser le double face, vous savez, nano, là, qui est un peu plus épais, je me suis dit pourquoi pas des petites languettes comme ça. Pourquoi pas, en fait. Après, à vous de voir ce que vous voulez en faire, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Bien sûr, j'arrive pas à le décoller de l'autre côté, mais bon, bref, hein, vous avez compris le principe. Et donc ça, dans cette petite boîte, je sais plus combien il y en a. Je vais regarder. 60. Ils mettent 60 tampons adhésifs, double face, solide pour la décoration de la maison. Ou peu importe, vous en faites ce que vous voulez. Il y en a qui peuvent éventuellement s'en servir aussi pour ceux qui font des cartes, des choses comme ça. Enfin, à vous de voir. Voilà. Donc, bon, à tester. Je ne sais pas ce que ça vaut vraiment. Je vous ferai peut-être un retour là-dessus si j'y pense. Et donc, tout ça dans une petite boîte pour le prix de 88 centimes. Donc, voilà. Pourquoi s'en priver ? Ensuite, on va passer. Donc là, j'ai
terminer la partie d'épée. Et je sais que j'ai du point de croix dans ce colis. Donc on va passer à la broderie. Et il n'y en aura qu'une. Hop, regardez-moi ce joli dessin, cette jolie illustration. Alors, toujours un kit type Joy Sunday. Hein. Je dis type parce que visiblement, c'est plus Joy Sunday, c'est une autre société. Mais ils ont repris la même façon de faire. Donc, un petit renard postier, on dirait. Allez, on va regarder ça. Comme c'est trop joli. J'adore les couleurs qu'ils mettent à chaque fois à l'impression. C'est très joli, très pastel, très agréable à regarder. Alors, bon, on a du point arrière, c'est sûr. On a de la demi-croix, c'est sûr, si je me souviens bien. Mais de toute façon, on va regarder. Donc là, voilà, là, c'est un peu plus confetti, mais ça va encore, je trouve. On n'a pas un point là, l'autre point là, l'autre point là. C'est assez centralisé. Voilà. Bon, là, vous avez les petits cercles. Après, vous passez là. Après, vous passez là. Moi, j'ai envie de vous dire, de là à là, je coupe pas mon fil. Hein. J'y vais. Là aussi, de là à là, j'y vais. Peut-être de là à là, je couperai. Mais franchement, ici, c'est assez... voilà, centralisé là. Non, franchement, c'est pas mal. Alors, oh, comme c'est joli, ces couleurs. J'adore, j'adore ces couleurs. Regardez. Dans les tons orangés, cette fois-ci. Tac. Ouais, c'est beau. Mais vous vous rendez pas compte si je me mets comme ça, peut-être. J'étale un peu les couleurs. Est-ce que vous voyez mieux? Voilà. Alors, j'aime bien cette petite cartonnette. Donc, on retrouve les deux aiguilles ici et on a la cartonnette comme ça avec les couleurs et les DMC qui correspondent là aux couleurs. Hop, c'est du 14CT1. On va regarder la grille qui est toujours bien imprimée. C'est un truc de fou chez eux. Il n'y a jamais de problème là-dessus. Donc là, on va retrouver en deux parties, hop, recto, verso, voilà. Alors, du point arrière, en veux-tu, en voilà. Et donc, on a trois couleurs de point arrière pour celle-ci, trois couleurs de demi-croix. Et tout le reste, c'est du full stitch. Et au total, on a 27 couleurs quand même. J'ai pas fait attention. Ah ouais, 27 couleurs. Ok. Ouais, c'est cool. Et donc, tout ce qu'on voit là, alors, que je vérifie, ouais, tout ce qu'on voit dans le fond déjà, hein, en dessous de Fox Delivery, c'est du, de la demi-croix, voilà, tout le F là, c'est de la demi-croix, donc ça c'est cool, c'est quoi, Q et R aussi, bah, en fait, tout le fond, c'est de la demi-croix, donc, bah, comment vous dire, tout ça, tout le bleu, le orange, le rose là, c'est de la demi-croix. Donc là-dessus, ça va aller plutôt vite. Bon, il y a un peu plus de travail après dans le renard. Et bon, ici encore, ça va. Mais dans le renard, il y aura un peu plus de travail. Notamment pour le backstitch. Le backstitch, là, on en aura dans la boîte aux lettres. Enveloppe, renard, un petit peu des petites feuilles là. Donc voilà. Encore un projet bien, bien sympathique, tout mimi, donc c'est cool. Et donc ce petit projet, que je vous dise le prix, 2,99€. Non mais franchement les prix, c'est franchement donné, voilà. Donc, j'ai terminé pour cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez préféré. Surtout, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, on se retrouve dans les commentaires. Allez, à plus tard. Salut tout le monde !